regardé mon dernier haul jusqu'à la fin, vous avez vu que j'ai été chez Action et que j'ai loupé le camion de livraison. En fait, quand je suis sortie de chez Action, ils étaient en train de livrer le magasin et le camion était en train de repartir. Du coup, je suis retournée chez Action pour faire un petit tour pour voir s'il y avait eu des arrivages, des petites nouveautés, etc. Donc, il n'y avait pas grand-chose en nouveauté. Mais bon, je ne suis pas ressortie de chez Action les mains vides. Du coup, je vous filme ça tout de suite. Et je vous montre mes petits achats. Pour commencer, et pour 99 centimes, j'ai eu envie de prendre ça pour les enfants. Ce sont des petits gâteaux. Ça m'a fait penser un peu aux Twix Top. Les petits gâteaux, sauf qu'ils sont au chocolat, il me semble. Mais là, c'est au chocolat blanc ou à la crème. Ce sont des biscuits croustillants avec 21% de crème au lait et 8% de confiserie fourrée au chocolat au lait, donc de petits Smarties au-dessus. Vous en avez 7 à l'intérieur et c'était 99 centimes. Je me suis dit que j'allais prendre ça pour les enfants pour qu'ils testent. Si vous avez déjà goûté ces petits gâteaux-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'ils sont bons ou pas. Et puis nous, on va découvrir ça avec les enfants, voir s'ils sont bons. En tout cas, c'était pas cher du tout pour un paquet avec 7 gâteaux à l'intérieur. Donc voilà pour ces petits gâteaux. J'espère qu'ils seront bons. Ensuite, pour 1,52€, j'ai pris un petit tapis comme ceci pour mes chiens, pour mettre leur gamelle. C'est un tapis qui est en PVC, qui est donc pour animaux, qui a une surface antidérapante, qui maintient les gamelles en place, qui garde le sol propre autour des gamelles. Il était à 1,52€ ce petit tapis-là. C'est la deuxième fois que je le prends, parce qu'il y a quelques années, j'en avais déjà acheté un, mais j'avais un chat et elle s'était amusée à le bouffer. Du coup, je l'avais mis à la poubelle, donc là, je me suis dit que j'allais en reprendre un. Ils en ont souvent de ces tapis-là chez Action, mais ils sont souvent en couleur fluo, en rose, en bleu, en vert, et moi, j'avais pas trop envie de mettre du fluo dans la cuisine. Du coup, là, il était en gris. Je me suis dit que j'allais le prendre, ce petit tapis, pour mettre les gamelles des animaux. Ensuite, pour 49 centimes, j'ai repris de la marque Max Choice des petites friandises pour les chiens aussi. C'est des petits os. Alors, ceux-là, ce sont ceux à la volaille. Donc, ils nous disent que ce sont des aliments complémentaires pour animaux, pour chiens adultes et pour chiens de petite taille, à donner 3 petits gâteaux par jour pour les chiens de taille moyenne, et pour les gros chiens une dizaine par jour. Voilà, et en fonction de l'activité physique et de la taille de votre chien. Bon, après vous faites un peu comme vous voulez. Moi je sais que ma chienne Naya, elle aime bien les petites friandises comme ça. Après mon petit mâle Milo, il aime pas trop, donc voilà, des fois il les mange, des fois il les mange pas. Mais Naya, elle les adore, ces petites friandises là. Et elles sont pas chères du tout parce qu'elles sont à 49 centimes. Et après, au niveau de ce qu'il y a, donc ce sont des protéines, des céréales, de la viande de volaille, huile et graisse. Et voilà, après vous avez toute une liste. Alors je sais pas si c'est des très très bonnes friandises, mais en tout cas, moi, ma chaîne, elle les aime beaucoup, ces petites friandises là, 49 centimes. Ensuite, pour 67 centimes, je leur ai repris un petit pouic-pouic comme ça. Donc ça, c'est une nouveauté en jouet. Je les avais jamais vus avant. C'est pas cher du tout, 67 centimes. Après, je sais très bien que ça durera pas très longtemps, puisqu'ils vont jouer un petit peu avec et puis ils vont me le bouffer. En plus, c'est un petit pouic-pouic qui fait du bruit et ça, ils adorent jouer avec ce genre de petit pouic-pouic. Surtout Milo, il aime bien. Donc, ils nous disent que c'est un jouet pour chien et qu'il n'est pas indestructible et qu'il faut ne pas le laisser au chien, qu'il faut le surveiller. Mais bon, même en surveillant, moi, il finit toujours en petit bout. Mais bon, 67 centimes, j'ai pris le petit hot dog. Il y avait des petits hamburgers, il y avait plein d'autres modèles de petits jouets comme ça. Ensuite, pour 1,78€, donc vraiment pas cher du tout, je leur ai pris aussi pour Naya et Milo un petit kit de collier et de laisse. Alors moi, c'est des petites Jack Russell que j'ai, du coup, je leur ai pris en taille M. Les colliers, ils sont réglables et la laisse, elle fait 2 cm de large sur 120 cm de long, sur 1,20 m de long. Donc pour Milo, je lui ai pris en bleu comme ça et argenté. Et vous pouvez donc régler le collier, donc je pense que ça lui ira très bien. Et pour Naya, du coup, je lui ai pris en rose fluo comme ça et en argenté. Et pareil, je lui ai pris en taille M. Voilà, je suis Jack Russell, c'est pas des gros chiens. Naya, elle est un petit peu plus grosse que Milo, mais je pense que ça ira très bien. Donc voilà, c'était vraiment pas cher. Le kit, il était à 1,78€. Donc voilà, de toute façon, chez Action, au rayon pour les animaux, il y a tout plein de trucs. Et ça vaut toujours le coup, c'est pas trop cher comparé aux magasins spécialisés. Voilà, je vais toujours voir d'abord chez Action avant d'aller voir ailleurs.
puisque en général c'est moins cher. Enfin, pour terminer, nouveauté. Alors, vous allez dire, elle a encore pris des activités pour les enfants. Mais oui, j'ai trouvé une nouvelle collection de livres activités. Et là, c'était vraiment pas cher du tout. C'était 69 centimes le livre. Et moi, vraiment, j'aime bien faire ça aux enfants pendant les vacances, le week-end ou pendant le mercredi après-midi quand il pleut ou qu'on ne sait pas trop quoi faire. Plutôt que d'être toute la journée sur les écrans ou sur les jeux vidéo. J'aime bien leur faire faire des petits livres comme ça. Donc là, c'est la collection Apprenons Ensemble. Donc ce sont des cahiers conçus pour accompagner les enfants, leur donner confiance dans leur travail à la maison, avec des exercices et des jeux simples et motivants qui proposent de s'entraîner dans la détente. Et ils disent qu'il est souhaitable qu'un adulte conseille et encourage l'enfant dans son travail. Proposez-lui des séances courtes, laissez-lui le choix de l'exercice et respectez son rythme. Donc moi, ça, les grandes, elles le font, elles en font toutes seules si elles ont envie. Après, avec les petits, je fais toujours avec eux, surtout avec Louis, il aime bien que je sois avec lui pour faire ses petites activités comme ça. Donc là, j'ai pris le orange pour les 6 ans et plus. C'est un livre pour faire des calculs, qu'il est comme ceci. Après, à l'intérieur, vous avez des petits exercices de calcul, je pense, assez simple. Voilà, le repas des souris, coloris, le nombre de morceaux de fromage nécessaires pour compléter les opérations. Donc là, vous avez la souris qui a 3 fromages et dans la case, il y en a 4. Et le résultat, c'est 4. Donc, combien l'enfant devra colorier de petits fromages. Donc, c'est assez simple. Donc ça, c'est à partir de 6 ans, mais je vais le faire faire à Louis, je pense. Ensuite, 6 ans et plus encore, c'est Apprenons l'écriture. Voilà, comme ceci. Donc ça, j'aime bien aussi ce genre de livre-là. Pour Louis surtout, et Anaïs un petit peu, mais Anaïs, au niveau de l'écriture, ça va. Donc Louis, il va s'entraîner à écrire. Ensuite, pour les 4 ans et plus, il y avait les lettres et les sons, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est, par exemple, vous avez des exemples, là c'est le son OU comme jour, trace une croix dans les cases où tu entends le son OU. Donc vous dites à l'enfant le mot et puis il doit mettre une petite croix si c'est un mot où il y a le son OU. Voilà pour un petit exemple sur ce livre-là. Ensuite, 3 ans et plus, tracé et lettres. Donc ça c'est peut-être plus pour Lénie, peut-être pour Louis aussi, on verra. Donc, voilà. Ouais, peut-être plus pour Louis, enfin je vais voir avec les petits quand je leur ferai faire. Ensuite, le bleu clair, 5 ans et plus, c'est les nombres. Donc, vous avez des petits exercices toujours. Ça, j'aime vraiment bien ce genre de livre-là. Hein. C'est pas la première fois que je vous en montre. Et dans mes halls chez Action, je regarde toujours au rayon activité s'ils ont des nouveautés. Comme ça, parce que c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, pour les soustractions et les additions, là c'est un 7 ans et plus. Ensuite, pour un 7 ans et plus, lire l'heure. Donc ça, ça va être pour Anaïs. Et 7 ans et plus, toujours pour Anaïs, les multiplications. Donc ça, elle va être super contente de faire des multiplications. C'est vrai que les enfants, ils adorent ça. Je ne sais pas si les vôtres, ils adorent, mais moi, elle a du mal avec les multiplications. Du coup, je me suis dit que ce serait plus marrant de le faire avec un cahier comme ça. Voilà, donc ça, c'était 69 centimes le livre, vous en avez 8. Donc du coup, moi j'ai trouvé toute la collection, donc super contente. Voilà, c'est tout pour mes achats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !